C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans notre nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas animé de webinaire. On avait annulé le précédent. Je vous propose de tout de suite vous partager mon écran. N'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne bien ou pas. Normalement, on a fait les tests. Tout devrait être OK. C'est bon pour vous, Mathilde, on voit l'écran? On voit l'écran. Ok, super. Eh bien, on est tous ensemble aujourd'hui pour vous présenter donc un nouveau webinaire afin de vous présenter finalement un format d'apprentissage afin d'engager, de former et de divertir à moindre coût. C'est un sujet que l'on a animé et présenté lors du Salon Learning Technologies à Paris il y a 2 semaines, qui a beaucoup plu. Donc, on s'est dit, voilà, ça vaut vraiment l'occasion de partager ce webinaire aussi avec vous tous ensemble. Donc, on est parti ensemble pour 45 minutes. On a prévu avec Mathilde 30 minutes de présentation et environ 15 minutes de questions-réponses. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour poser toutes vos questions ou l'onglet questions également. Et puis, nous y répondrons à la fin de notre webinaire. Donc c'est parti, vos animatrices du jour. Donc nous sommes deux. Donc pour ma part, Betty, la fondatrice d'Innova Academy, et Mathilde. Bonjour à tous, je suis Mathilde, donc ingénieure pédagogique et chef de projet chez Innova Academy. Alors, le plan de notre présentation du webinaire, comment est-ce qu'il va se dérouler? Dans un premier temps, on va vous parler du concept, du format challenge du mois. Donc encore une fois, l'objectif, c'est un nouveau format que l'on a pu tester et utiliser avec Mathilde. On sait que c'était très très intéressant, on va vous présenter pourquoi. Et c'est vraiment un format qui permet d'engager, de divertir et de réduire les coûts d'investissement pour les services formation. En deuxième partie, on va parler cette fois-ci des stratégies gagnantes. C'est Mathilde qui vous en parlera. Et enfin, on va vous donner quelques exemples un peu plus concrets de challenges mensuels que l'on a pu créer et déployer au sein d'Innov Academy. Alors, première question déjà, avant de se lancer, que l'on souhaite vous soumettre, quelles sont pour vous vos attentes s'agissant des formats de parcours d'apprentissage? Est-ce que vous êtes à la recherche de parcours, avec un format plus court, plus engageant, plus efficace ou moins coûteux? Alors, on a tendance à vouloir tout sélectionner. J'irais vraiment votre top 1. Est-ce que voilà, votre enjeu, votre objectif, c'est créer des formats plus courts, engageants, efficaces ou coûteux? Alors, on vous laisse le temps de répondre. Donc, c'est dans le petit onglet sondage. Ça a dû apparaître également directement à l'écran. Ce qui ressort pour le moment, vous nous dites que vous êtes à la recherche, vous êtes plutôt intéressé par un format qui va être plus engageant. Ensuite, à égalité, on a plus court et plus efficace, moins coûteux. A priori, ce n'est pas forcément un sujet et un enjeu pour vous. Donc, vraiment, trouver un format qui soit engageant. Parfait. Alors, on va vous parler donc, du challenge du mois. Avant de commencer, alors, ce serait intéressant de savoir s'il y en a certains qui ont déjà participé au calendrier de l'Avent Innov Academy. Donc, le calendrier de l'Avent Innov Academy, c'est un calendrier que l'on fait déjà depuis 3 ans. Donc, vous connaissez très certainement le principe du calendrier de l'Avent. L'idée, c'est que chaque jour, les apprenants puissent ouvrir une case avec un contenu d'environ 5 minutes. Ce contenu, on va pouvoir y accéder uniquement le jour J, comme le calendrier de l'Avent avec vos chocolats, bon, peut-être que certains ouvrent toutes les cases en un jour, mais enfin ici, l'objectif, c'est vraiment de travailler l'instantanéité. Si on est le 3 décembre, l'apprenant ne pourra pas revenir sur la case du 2 décembre et ne peut pas aller sur la case du 4 décembre. Ça, encore une fois, on pourra en discuter. C'est à vous de le définir au sein de vos plateformes de formation, de pouvoir quand même toujours laisser accès aux précédentes capsules. Pas forcément celles qui arrivent, là, ça, je le déconseille, mais les précédentes, pourquoi pas? Il y a toujours des congés, des personnes aussi absentes, etc. On l'a appelé le calendrier de l'Avent avec un K. Alors, ce n'est pas une faute d'orthographe, hein, on vous l'a écrit. C'est pour le cas de Knowledge, puisque ce calendrier de l'Avent portait vraiment sur l'ingénierie pédagogique. On a essayé de transmettre un maximum de connaissances sur l'ingénierie pédagogique, tout avec une scénarisation autour des Jeux Olympiques, puisque bientôt, ils seront chez nous en 2024.
Donc, l'idée, c'était ici de créer finalement 24 capsules à ouvrir avec 5 minutes par jour. C'est la troisième année qu'on l'a lancé. Ça a remporté cette année un franc succès. On a eu plus de 500 participants quotidiens qui sont venus consulter notre calendrier de l'Avent. Et on s'est dit finalement avec Mathilde, pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas ce format de calendrier de l'Avent au challenge du mois? Et on va vous en dire davantage par la suite. Quelques exemples pour vous montrer justement comment engager. C'est ce qui ressort de votre côté. Vous cherchez des formats pour engager davantage les apprenants. Ce qu'on a fait, c'est que chaque jour, donc on avait une capsule de 5 minutes, on a essayé de varier au maximum les formats d'apprentissage. Donc là, on vous a présenté vraiment quelques exemples. On a pu faire donc des drag and drop, comme vous le voyez, où il faut glisser, déposer, quel format a été utilisé en fonction de la taxonomie de Bloom en haut à droite. On a utilisé également le Monopoly, donc on a détourné vraiment un jeu existant pour apprendre des concepts sur la ludopédagogie. On a aussi utilisé pas mal de podcasts, du podcast interactif, et puis d'autres exemples, donc ça, pardon, sur les 8 cases, sur les 16 cases de la semaine, l'idée, c'était vraiment donner du contenu sur l'ingénierie pédagogique. Le week-end, on a aussi poussé des capsules, puisque c'était le calendrier de l'Avent, on ne pouvait pas ne rien donner sur les week-ends. Mais les week-ends, on était plutôt sur des petits jeux sympas, de la culture générale, mais pas sur de l'ingénierie pédagogique. Donc là, sur le patinage artistique, il fallait retrouver où se trouve Nelson Montfort. On a fait un quiz sur de la culture G. On a aussi détourné le jeu Qui veut gagner des millions. Voilà, on s'est vraiment appuyé sur un format très, très, sur de la ludopédagogie au maximum, en variant tous les formats. Chaque jour, il y avait vraiment un format d'apprentissage très différent. Sur ces cases de week-end et même sur le calendrier de l'Avent, on vous dit aussi que c'est des formats un peu moins coûteux. On s'est appuyé, on a essayé de faire l'exercice, nous, en interne, utiliser des outils très simples d'utilisation et peu coûteux. Donc, tout ce qui est Geniali, H5P, ce genre d'outils-là, on a essayé de les utiliser au maximum pour faire ce test de conception à moindre coût. Par rapport à ce calendrier de l'Avent, est-ce que déjà c'est un format qui pourrait répondre à vos attentes? Donc, on vous a lancé une nouvelle question. Vous pouvez nous répondre oui ou non. Alors, je ne parle pas forcément du sujet, mais vraiment du format. Est-ce que c'est un format qui pourrait répondre à vos attentes pour transmettre une formation? On vous laisse répondre. Je regarde rapidement les résultats. Donc, vous êtes à 80% à répondre oui et à 20% non. Alors ceux qui ont répondu un peu plus, ça augmente sur les quatre. N'hésitez pas à nous dire dans la zone de chat et après à poser les questions pour nous dire le pourquoi, qu'est-ce qui est bloquant pour vous, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner. Enfin voilà, un peu votre rapport d'étonnement. On voulait vous partager par rapport justement à ce format du challenge du mois quelques chiffres sur 2024 qui ont été partagés par l'ISTF par rapport aux priorités des services formation. On va voir si vous vous reconnaissez aussi à l'intérieur de cette analyse. On perçoit que le multimodal et le 100% distanciel devient vraiment une priorité de plus en plus accrue. Ce n'est pas en train de chuter. Hein, on se pose la question depuis le retour au travail dans les bureaux. Est-ce que le présentiel va revenir au galop? Pas du tout. Par contre, la multimodalité, on voit que c'est un sujet qui arrive de plus en plus et qui prend de plus en plus de place. Ce qui vous intéresse, ça va être de répondre au rythme de vos apprenants. On a toujours des rythmes d'apprentissage qui sont vraiment très différents, des populations hétérogènes, des populations nomades, sédentaires. Et surtout, vous recherchez à diversifier les méthodes d'apprentissage. Optimiser les temps d'apprentissage, vous toujours essayer de réduire les temps de formation. Et enfin, de digitaliser pour moins de présentiel systématiquement. Et ça, c'est aussi un retour qui revient des apprenants, des collaborateurs, arrêter de mettre des formations systématiquement, essayer de digitaliser davantage. Ensuite, par rapport au micro-learning, le format du challenge du mois, on se base évidemment à 100% sur du micro-learning. Vous l'avez compris, on est sur des capsules pédagogiques de 5 à 10 minutes par jour. Ce format-là, il revient dans le top 5 des modalités toutes confondues
asynchrone ou synchrone est dans le top 3 des modalités asynchrone. Alors vous allez sûrement me demander, mais quels sont le top 1 et le top 2 des modalités asynchrone? On a le e-learning et la vidéo learning suivi du micro-learning. Donc là, on comprend qu'il y a vraiment un enjeu pour vous de travailler ces trois formats d'apprentissage. Ensuite, par rapport au ressenti des apprenants sur l'efficacité du micro-learning, ils disent à 42% que c'est efficace, 44% moyennement efficace et 15% pas du tout efficace. Sur les pas du tout efficaces, encore une fois, il faudrait pouvoir regarder quels sont les formats qui ont été utilisés. Si c'est que de la vidéo, si c'est que du PDF avec un suivi d'un quiz, évidemment, on est d'accord, c'est peu efficace. Tout ça pour vous dire, vous sensibiliser, voilà, par rapport à ces chiffres sur le fait que le micro-learning est vraiment un format d'apprentissage qui va répondre à votre problématique et enjeu de rythme, de méthode d'apprentissage et de temps d'apprentissage. Pour nous, le challenge du mois, il va répondre à plusieurs contraintes et besoins que vous devez ressentir au sein de vos services formation. Tout d'abord, ça va être comment finalement je peux engager et mobiliser une population, un service, un groupe d'apprenants à différentes échelles. On va avoir aussi une contrainte de finalement, comment est-ce que je peux rendre accessible la formation à des populations hétérogènes, sédentaires, nomades, etc. Comment est-ce que je peux intégrer un parcours de formation qui finalement en dure 2 heures dans des plannings qui sont ultra serrés, très contraints. Et on sait quand on pousse un e-learning, qu'on voit tout au début, j'en ai pour 120 minutes à tout suivre, ça peut nous décourager. Et enfin, la question d'optimiser les coûts. Alors, ce n'est pas revenu dans la première question qu'on vous a posée. Néanmoins, c'est un sujet qu'on entend de notre côté au quotidien. Donc, ce challenge du mois, pour nous pouvoir intégrer ce parcours sur plusieurs heures, si vous faites une capsule pédagogique de 5 à 10 minutes par jour, sur un mois, vous arrivez à transmettre environ 1 heure et demie de contenu en e-learning. Sur l'optimisation des coûts, on est à peu près à 20% de moins que sur la création d'un e-learning de 1 heure et demie. Rendre accessible la formation, finalement, avec les différents outils que vous pouvez utiliser, ça peut être facilement accessible pour vos collaborateurs, et engager et mobiliser du fait d'utiliser vraiment cet effet d'instantanéité, il y a un effet engageant qui est quand même bien plus important. Sur l'engagement et la mobilisation, on va évidemment aussi travailler tout ce qui va être le marketing de l'offre. Essayez de pousser un webinar peut-être au lancement de votre challenge du mois pour expliquer les objectifs, les enjeux, comment ça va se passer, si c'est aussi un nouveau format d'apprentissage. Et puis, à la fin du challenge du mois, à travers les différents questionnaires, vous allez pouvoir identifier les niveaux et pousser peut-être d'autres contenus de formation et personnaliser la formation en fonction de chaque apprenant, ce qu'ils auront pu voir et réussir. Le challenge du mois, finalement, pourquoi? Encore une fois, je vous le répète, mais pour nous, c'est un parcours qui se veut vraiment ludique, engageant et efficace. Efficace pourquoi? Parce qu'on est encore une fois sur une période très courte et une période donnée, un instant T. Donc, cette instantanéité va donner envie aux apprenants de se connecter et de ne rien rater. On va aussi travailler les coûts, comment optimiser les coûts. Encore une fois, à travers différents outils simples et efficaces à utiliser pour vous, pour faire de la conception aussi peut-être en interne. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais on dit toujours qu'il faut à peu près 21 jours pour changer une habitude. Bon, avec le challenge du mois, on est à peu près sur 20 à 21 capsules pédagogiques, donc on trouve ce format-là encore plus intéressant. Pour entrer dans le détail du contenu par rapport au challenge du mois, on va avoir donc 20 à 28 micro-learning pédagogiques, donc à peu près 5 minutes par jour. Le public cible pour nous, finalement, on peut l'adresser à tout le monde. Soit vous le faites sur un public vraiment ciblé, manager, un service, etc., des commerciaux. Pour aussi lancer, on vous en parlera, mais des challenges. Nous, on aime beaucoup aussi à la fin de chaque semaine ou à la fin du mois lancer un challenge qui soit individuel ou collectif. Et enfin, par rapport aux prérequis, évidemment, il faut avoir l'accès au numérique et il faut avoir certaines connaissances de votre côté sur l'ingénierie pédagogique. On vous donnera par la suite aussi des bonnes pratiques à utiliser. Sur les 20 à 28 capsules pédagogiques à utiliser, pour nous, il y en a déjà 16 qui sont vraiment fondamentales. Les 16, ce sont celles qui viennent du lundi au jeudi. Là, on va leur pousser du contenu, donc on va mettre des vidéos, des podcasts, des études de cas, du Monopoly, bref, on va travailler vraiment la ludopédagogie au maximum pour transmettre du savoir, des connaissances. Ensuite, on a 4 capsules pédagogiques qui viennent forcément en fin de semaine le vendredi pour venir évaluer cette fois-ci les connaissances,
donc des évaluations plutôt sommatives, et on peut venir comme pousser, comme je vous le disais, des challenges, donc il y a l'évaluation des connaissances, et également un défi qui peut être réalisé individuellement ou collectivement. Je vous donne un exemple, proposer un slogan sur l'inclusivité à la fin de la première semaine. Voilà, en groupe, ils peuvent poster et les gens vont venir voter. On aura un gagnant avec peut-être des lots à la clé. Ensuite, en option, ça dépend des entreprises, puisqu'on arrive sur le week-end, hein, le droit à la déconnexion, on peut pousser des capsules plutôt relax. On l'appelle comme ça, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que si on les rate, ce n'est pas grave, on peut reprendre la semaine qui suit sans aucune difficulté. Donc, on va mettre ici des petites activités ludiques, de la culture G, pourquoi pas des activités de relaxation, de méditation, etc., etc. Mathilde, je te laisse la parole. Oui, merci Betty. Je vais également partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? Oui. Bon, alors à présent, après ce passage au scanner du concept, du format, du challenge du mois, je vous propose qu'on passe maintenant aux stratégies gagnantes de ce format. Donc, comme certainement bon nombre d'entre vous, nous référons régulièrement aux études menées par Stanislas Dehaene, neuroscientifique, hein, professeur au Collège de France, qui a regroupé en 4 piliers d'apprentissage les principaux facteurs qui en favorisent la réussite. Et donc, le premier pilier est celui de l'attention, le deuxième est celui de l'engagement, la motivation, le troisième pilier, le retour d'information avec le feedback, la correction, et enfin, la consolidation. Et donc, dans ce format du challenge du mois, nous avons cherché à intégrer ces quatre piliers pour une efficacité pédagogique optimale. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure d'identifier et de vous partager les stratégies gagnantes du challenge du mois. Le challenge du mois vous garantit un engagement sur la durée. Comme l'a dit Betty, avant même que le challenge commence, on va le lancer à travers une vidéo teaser, à travers un module de formation très court, bien entendu, mais ce peut être aussi un instant synchrone de classe virtuelle, par exemple, pendant lesquelles les sponsors, les managers vont pouvoir intervenir pour défendre l'intérêt pédagogique de ce challenge du mois au regard des enjeux opérationnels, au regard des enjeux métiers de la cible apprenante. Et puis, pendant le challenge du mois, on va poursuivre l'engagement des apprenants en rattachant systématiquement les contenus pédagogiques à leur réalité terrain. On va leur faire réaliser des études de cas qui sont tirées de cas concrets de l'entreprise, de l'environnement professionnel. Et on va aussi leur délivrer des clés opérationnelles qu'ils vont pouvoir mobiliser après le challenge du mois sur le terrain. Et ça prend bien souvent la forme d'une infographie de synthèse qui est téléchargeable et qu'ils vont pouvoir réutiliser au quotidien, au bureau, dans leur environnement. Et puis, le challenge du mois, c'est aussi un engagement après le challenge, puisque on va venir évaluer les activités, les capsules auprès des apprenants, mais aussi de leurs managers. Ça va nous permettre d'identifier les tops et les flops en termes d'activités, mais ça va être aussi un moment de célébration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir célébrer les apprenants qui ont complété leur parcours, mais aussi ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au quiz. On va pouvoir procéder à des tirages au sort et identifier des ambassadeurs du challenge du mois qui pourraient justement donner envie aux autres membres de l'équipe ou à d'autres services de l'entreprise de participer à ce genre de formation sous forme de challenge du mois. Le challenge du mois, c'est aussi un environnement stimulant et engageant. On a vraiment veillé à créer un environnement qui puisse engager en suscitant l'intérêt de l'apprenant, en suscitant sa curiosité. Donc pour ça, on va éviter les authentifications multiples et à répétition avant de pouvoir accéder à la case du jour. On va aussi offrir une expérience utilisateur qui soit de qualité, avec des médias qui sont variés, accessibles, opérationnels bien entendu. On va éviter les liens vers des ressources externes, comme YouTube par exemple, pour éviter le risque de décrochage des apprenants qui seraient alors sortis de leur environnement. Et puis enfin, Betty a pu l'évoquer, on va offrir une navigation à deux niveaux dans ce challenge du mois. On peut proposer une navigation libre dans le parcours. L'apprenant va pouvoir suivre à son rythme les différentes capsules ou bien on va pouvoir venir contraindre la navigation. C'est-à-dire que l'apprenant ne pourra accéder à la capsule du jour J uniquement le jour J. La capsule de la veille pourra être bloquée,
ou en libre accès, mais surtout celle du lendemain sera bloquée. Et c'est une façon finalement de susciter la curiosité et de créer le sentiment de « je ne veux pas louper quelque chose ». Donc c'est une navigation qu'on paramètre en fonction de chaque projet, en fonction de la cible apprenante et surtout de ses contraintes. On s'adapte aux contraintes de la cible apprenante pour paramétrer cette navigation. Le challenge du mois, c'est aussi l'autorisation, vous l'aurez compris, l'utilisation du storytelling et de la gamification. On va rendre le parcours plus attrayant, plus engageant, en créant une histoire immersive, parfois avec des personnages iconiques qui vont accompagner l'apprenant tout au long du parcours. On va utiliser un fil conducteur qui est basé sur le challenge du mois en respectant une progression. On va utiliser le jeu, le challenge, le défi. On va placer l'apprenant en posture de performeur. Il va pouvoir s'entraîner, puis appliquer, puis performer en équipe. Il va pouvoir réaliser des exercices de mise en situation, des cas pratiques, encore une fois, tirés de sa réalité professionnelle, de sa réalité terrain. Et puis aussi, on viendra remettre des badges, des goodies. Comme je vous l'ai dit, on procédera parfois à des classements, à des tirages au sort. Et finalement, on utilise tous les leviers de la gamification, de la ludopédagogie pour engager les apprenants. Le challenge du mois, c'est aussi un parcours avec des défis adaptés. C'est-à-dire qu'en phase d'ingénierie pédagogique, on va vraiment veiller à calibrer les compétences pour définir les prérequis, mais aussi déterminer les frontières de la formation et les différents niveaux de compétences. On va adopter une progression pédagogique adaptée et veiller à l'alignement pédagogique au sein de chaque capsule entre le contenu qu'on vient délivrer par rapport aux objectifs pédagogiques, les activités que l'on va proposer aux apprenants et les évaluations qui seront mises en œuvre à la fin de la semaine. Le challenge du mois, c'est aussi le social learning. Alors, on en parle beaucoup. Derrière ce terme, on souhaite en fait attirer votre attention sur le fait que ce format qui est dispensé en e-learning, donc en autonomie pour l'apprenant derrière son écran, finalement va l'encourager à l'interaction et à la rétroaction. Puisque déjà, on le place dans des mises en pratique avec des challenges et défis individuels et collectifs, dont les résultats vont pouvoir être partagés sur un espace collaboratif, mais aussi l'intranet ou le réseau social de l'entreprise. Et donc finalement, ici, c'est la pédagogie par les pairs et qui va être un axe puissant dans ce parcours d'apprentissage. On va permettre de développer le cerveau collectif et la dynamique de groupe surtout. Le challenge du mois, enfin, est un parcours adapté et évolutif. Betty a pu l'évoquer. C'est une façon, voilà, de délivrer un contenu précis, concis, chaque jour, aux apprenants, avec une progression pédagogique adaptée qui va permettre finalement, parfois, de sensibiliser à une thématique, de former aux bases d'une thématique et d'identifier des futurs besoins de formation qui pourront être dispensés à travers des modules e-learning complémentaires de 45 minutes cette fois-ci, mais aussi en mettant en place des séances de coaching. On pense notamment, mais pas exclusivement, mais notamment aux managers pour renforcer et approfondir certaines thématiques et le savoir-être et le savoir-faire. Alors, pour poursuivre sur les stratégies gagnantes, je souhaitais également évoquer les bonnes pratiques d'ingénierie pédagogique. Très succinctement, pour construire le challenge du mois, on mobilise ces bonnes pratiques et ça commence par la définition des objectifs pédagogiques du parcours, mais aussi des sous-objectifs de chaque capsule. C'est ainsi qu'on va avoir un contenu pertinent, court et précis. Ensuite, on va rédiger le scénario pédagogique qui va, lui, tenir compte des besoins et du niveau des apprenants. On va séquencer la formation et proposer des courtes sessions d'apprentissage ciblées et spécifiques. On va veiller à varier les méthodes et formats d'apprentissage pour soutenir l'attention. Donc, on pense aux vidéos, aux podcasts interactifs, les jeux, les quiz. Ensuite, on va intégrer les évaluations. On en a parlé, les évaluations diagnostiques, formatives et sommatives. Diagnostiques, c'est-à-dire qu'en début de chaque semaine thématique, on aura un micro-module d'autopositionnement. À la fin de chaque micro-module, on aura également une évaluation formative pour permettre de s'entraîner. Et à la fin de la semaine, il y aura une évaluation sommative, cette fois-ci sur l'ensemble des connaissances transmises au cours de la semaine.
Dans le challenge du mois, on renforce également l'apprentissage avec le retour d'information et le feedback, puisque toutes les activités d'évaluation sont corrigées et comportent un feedback immédiat. L'apprenant sait immédiatement s'il a bon ou s'il a faux et il est en mesure de se corriger immédiatement. Alors, les super pouvoirs du challenge du mois, eh bien, vous l'aurez compris, c'est un parcours, en tout cas j'espère, qui permet de garantir de par son format un niveau d'engagement qui est équivalent à celui d'un module e-learning de 2 heures, cette fois-ci immersif et davantage storytellé, et ce, quel que soit l'outil de production utilisé. On va donc pouvoir produire 1h30 de contenu simple en fédérant les apprenants autour de la thématique du mois, du sujet visé. C'est un parcours qui garantit un niveau d'engagement très fort et ce, indépendamment de l'outil de production que l'on va utiliser. Ça ne nécessite donc pas d'investissement supplémentaire. On va surtout venir optimiser les fonctionnalités des LMS et notamment la partie social learning et communication. Alors après cette présentation des stratégies gagnantes, on voulait avoir votre retour sur vos usages du micro-learning. Est-ce que le micro-learning occupe une place dans votre offre de formation? Très souvent, peu souvent, presque jamais, voire même jamais. Alors, je ne vois pas. Et Betty, est-ce que tu vois le... Ouais. Alors, ah, super. Pour le moment, c'est peu souvent, 46%. Jamais. Ben, ah, peu souvent. Alors, on vous laisse répondre. Ça change un petit peu. OK. Donc là, a priori, c'est bon. Donc, peu souvent, vous êtes 50%. Donc, d'accord. Ça veut dire un petit peu, qu'il y a encore beaucoup de marge d'amélioration de ce côté-là. Jamais, ensuite, donc vous êtes quand même 20% à ne jamais l'avoir encore utilisé. Très souvent et presque jamais, 13%. Donc, on est plutôt, ouais, plus souvent. On espère que notre présentation va convaincre les moins adeptes. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience ou vos questions dans l'espace dédié, on va pouvoir y répondre. Merci à tous. Alors, je continue. Hop, je reprends la main. Donc, on vous a dit, l'idée, c'est de vous présenter ici quelques exemples, même si pour nous, finalement, ce format-là peut parfaitement s'adapter à tout type de thématiques, que ce soit du réglementaire, hein, des formations assez... difficile pour engager les apprenants, que ce soit du RGPD, la loi Sapin 2, bref, ce genre de formation-là, ça peut parfaitement s'y prêter pour avoir cette impression d'apprendre de façon assez courte, régulière, avec des challenges. Ça peut être des formations aussi très bien sur l'efficacité professionnelle, du management, enfin bon, bref. Tout type de contenu peut vraiment s'y prêter. De notre côté, on a réalisé déjà donc plusieurs challenges du mois. Donc, le challenge du mois déjà sur l'ingénierie pédagogique, puisqu'on l'a fait pour Innov Academy. On en a fait un qui porte sur l'entreprise verte pour un futur durable. Et je vais vous partager le teaser qui vous présente justement qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce challenge du mois. C'est parti. On n'a pas le son par contre, Betty. Vous entendez? Ah non, j'ai cru t'entendre en effet, Mathilde, me dire quelque chose. Alors, je recommence. Ah oui, c'est quand je sélectionne tout l'écran. Il faut que je sélectionne uniquement l'onglet. Tac. Notre édition spéciale du calendrier de l'Avent Entreprise verte pour un futur durable vous promet 16 jours d'exploration dédiés à la transition écologique en milieu professionnel. Engagez-vous dans ce parcours de 2 heures de formation, à la fin duquel vous serez capable de reconnaître les enjeux de la durabilité en entreprise
et d'évaluer l'impact environnemental de vos activités. Enfin, nous vous donnerons les clés pour adopter les bons gestes éco-responsables. Que vous soyez un novice ou un expert, chaque jour vous réservera une nouvelle compétence ou une illumination sur des thèmes captivants tels que la durabilité, l'énergie renouvelable et bien plus encore. Pour éclairer vos week-ends d'hiver, plongez dans l'univers de nos 8 capsules gamifiées. Enfin, mesurez vos connaissances avant de déballer vos cadeaux le 25 décembre. Êtes-vous prêt à métamorphoser votre environnement professionnel et à contribuer à un avenir plus vert? Chaque jour, ouvrez une nouvelle case et découvrez ce que l'avenir durable vous réserve. Donc là, c'est un teaser, vous l'avez vu, c'était le format, encore une fois, pendant la période, enfin avant Noël, c'était au format calendrier de l'Avent. Là, on vient de le réadapter justement pour une autre entreprise en challenge du mois et on peut le rentrer évidemment n'importe quand. Donc ce sujet-là, bon, je pense que c'est un sujet aujourd'hui que tout le monde pousse au maximum dans les entreprises. Donc l'idée, c'était vraiment de sensibiliser les collaborateurs sur la révolution verte en entreprise, sur la durabilité, la sobriété numérique, ou d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, on l'a de disponible sur notre site internet dans la fabrique. C'est une capsule pédagogique d'environ 20 minutes au format Escape Game, très intéressant. La réduction et la gestion des déchets en entreprise, la biodiversité, les éco-gestes et plein d'autres thématiques. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir travailler aussi avec les clients sur un challenge du mois qui peut être déjà conçu au sein d'Innov Academy, qu'on va venir customiser, personnaliser en fonction de vos enjeux, de vos thématiques et spécificités, culture d'entreprise. Ou alors, on peut partir aussi évidemment d'une page blanche. Mathilde, je te relaisse la main. Mathilde, on ne t'entend plus. Merci Betty. Donc pour ce deuxième challenge du mois que l'on vous présente aujourd'hui, celui-ci porte sur l'inclusivité en entreprise et je vous propose tout de suite de découvrir en vidéo ce qu'il recouvre. Ce challenge du mois dédié à l'inclusivité en entreprise, c'est un parcours qui vise à sensibiliser les apprenants aux aspects cruciaux de l'inclusivité, au sein des milieux professionnels. On est vraiment au sein de l'entreprise. Donc, sur une durée de 3 à 4 semaines, les apprenants vont accéder à un tronc commun de 3 semaines pour tous les collaborateurs, tous les salariés, pour aborder des thématiques clés comme caractériser l'inclusivité en entreprise, détecter les signes d'exclusion, favoriser des relations interpersonnelles plus inclusives. Et à l'issue de ces 3 semaines, on va proposer une semaine dédiée aux pratiques managériales pour développer un management plus inclusif. C'est ainsi que les managers vont pouvoir accéder à 4 capsules, telles que recruter sans discriminer, manager sans discriminer, détecter les micro-agressions au sein de son équipe et comment mettre en place des processus de résolution des conflits. Et pour aller plus loin, pour aller encore plus loin après le challenge du mois, on propose une offre qui est dédiée aux managers qui leur permet d'approfondir certaines thématiques. Aujourd'hui, on a essentiellement quatre modules e-learning qui se rattachent à ce sujet et qui leur permettent de développer leurs connaissances et compétences. On a un module e-learning sur le management intergénérationnel, un autre module sur les risques psychosociaux, un autre module, lui, consacré à agir contre le harcèlement moral et sexuel en entreprise. Et enfin, un quatrième module dédié au recrutement sans discriminer. Et pour aller encore plus loin, on pourrait également proposer aux managers leur challenge du mois, inclusivité, avec comme objectif 5 minutes par jour pour développer un management plus inclusif.
Et enfin, on l'a déjà évoqué, mais pour cette cible particulièrement, nous prévoyons des séances de coaching pour approfondir et aller encore au-delà pour développer le savoir-être et le savoir-faire. Merci Mathilde. Merci. Pour terminer, si ce format peut vous intéresser et les thématiques qu'on vous a présentées lors du salon Learning Technologies, on a proposé aux personnes qui étaient intéressées de compléter un formulaire et de bénéficier d'une offre exclusive, une réduction sur ce nouveau format qu'on est en train de tester et les formats que l'on a sur étagère. On serait ravis de pouvoir les déployer avec vous. Il y a des formats qu'on est en train de déployer en 6 langues. Pour vous dire aussi au niveau des traductions, c'est vrai que ça va relativement vite et il y a des challenges qui sont voilà, partout à l'international pour un de nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez en savoir plus à compléter ce questionnaire pour qu'on en discute par la suite ou si vous avez des questions complémentaires. Et la parole eh bien, est à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est le moment de nous les poser. Je vais regarder également dans la zone de chat si vous en avez déjà posé également. Vous pourrez retrouver aussi toutes les informations. Mathilde, tu peux avancer juste d'une slide. Je crois qu'on vous a mis aussi un autre QR code et Faustine vous a mis dans la zone de chat notre page internet sur le challenge du mois également si vous souhaitez en savoir davantage. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, je n'en vois pas. Non? Est-ce que c'est un format maintenant qu'on vous en a dit davantage, même beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir, enfin, que vous trouvez intéressant à tester, à déployer? J'ai une question sur combien de temps pour créer un challenge du mois? On l'a fait, alors si c'est un sur-mesure, on l'a fait là en 4 à 6 semaines pour notre client, alors en 4 semaines en 100% français et 6 semaines en d'autres langues. Si on parle de la page blanche, ça va dépendre du sujet. Si vous prenez vraiment un sujet très réglementaire, voilà, si on arrive à avoir un expert à notre disposition, ça va quand même relativement vite. Donc toujours 4 à 6 semaines pour concevoir un challenge du mois. Et si on part pas de la page blanche avec un contenu e-learning, peut-être que vous avez déjà, vous pouvez basculer au format challenge du mois. Normalement, en 2 à 3 semaines, il est créé. Vous pouvez réduire par 2 le temps de production. J'ai l'impression que Mathieu a beaucoup de questions. Vous n'avez pas d'autres questions, les autres? Semaine de scénarisation et semaine de prod. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En disant qu'on n'est pas forcément à 100% non plus sur la création du challenge du mois, mais enfin sur tout ce qui va être l'univers graphique, les questions, la création des infographies, trouver des jeux à détourner pour travailler vraiment la ludopédagogie. Oui, c'est à peu près ce temps-là. Et on vous invite aussi à utiliser au maximum les fonctionnalités que vous avez de base proposées dans vos plateformes LMS. Mais ne pas hésiter évidemment à utiliser l'embed, à utiliser d'autres outils par ailleurs pour venir varier les activités pédagogiques. Concernant l'animation pour favoriser l'engagement, est-ce qu'on est impliqué? Oui, on est impliqué. Alors, on met en place un webinaire de lancement avant le lancement, le jour J du challenge du mois. On n'a pas animé ce webinaire-là. Par contre, on a proposer et préparer un maximum de slides pour le client pour réussir à en parler avec nos recommandations, d'avoir le sponsor, des lois à la clé, etc. Et puis surtout, après le challenge du mois aussi, les conseiller sur ce qu'il faut pousser pour pas que ça retombe et qu'on en fasse aussi quelque chose. Donc, on essaiera d'aller toujours un petit peu plus loin. Parfait, merci à tous. Peut-être, si vous avez d'autres idées de webinaires également par la suite que vous souhaiteriez que l'on anime, sur lesquels vous donnez du contenu, des informations, n'hésitez pas, c'est le moment également. Et puis enfin, peut-être pour vous dire, notre prochain webinaire en février, alors la date, je ne sais plus quand c'est exactement, on va me la donner. Enfin, en tout cas, il portera sur la mise en place des open badges dans vos formations afin de valoriser les apprenants et de réussir aussi à les engager davantage. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 20% déjà des apprenants qui vont
suivre un parcours de formation en ligne si on sait qu'il y a une certification ou un open badge à la clé. 12 mars. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 12 mars. Voilà, toujours sur le même créneau horaire, 11h30, midi 15. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée.